18 issus du cursus généraliste et puis 3 élèves du master international, ce qui implique que le cours et les différentes activités étaient données en anglais. On a 3 enseignantes à intervenir sur ce cours, donc quand on a 8 séances et que dans les 8 séances il y a une séance d'autonomie, une séance de TP, ça ne laisse pas beaucoup de séances à chaque enseignant, donc il faut des actions qui se font sur des durées assez courtes. Ce cours sur les polymères, donc, il a été monté en 2015 et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année, en 2019, donc c'est tout frais. On est encore dans la réflexion et l'amélioration de cette activité. Alors, le curriculum du cours parle de matériaux polymères, d'un point de vue physique, matériaux et puis mise en œuvre de ces matériaux-là. Il y a 4 parties, une généralité sur les matériaux polymères, les différentes familles qui existent, les propriétés physiques des polymères, leur sensibilité à la température, la rhéologie, etc. Une partie sur les polymères naturels et puis un aspect sur la mise en œuvre et le recyclage qui est fait par nos collègues de l'ITEC juste à côté de l'école centrale. Comme je vous le disais, dans ce curriculum, il y a également un TP de 4 heures et puis une séance où on fait intervenir des industriels qui travaillent dans des entreprises en lien avec les polymères ou d'autres activités de pédagogie active, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Cette action sur l'approche puzzle pour une étude de cas dans les polymères, elle intervient donc... elle intervient à la fin de la partie sur les concepts généraux sur les polymères. L'objectif, c'est mettre en application les concepts qu'on a développés dans cette première partie, s'approprier des notions nouvelles et puis savoir les transmettre également aux autres étudiants. Et c'est basé aussi sur la lecture d'un article scientifique, article en anglais. Alors l'idée, c'était de les faire travailler sur le cas, alors c'est très spécifique, des élastomères autocicatrisants. Je ne rentre pas du tout dans le détail de la physico-chimie qui est derrière. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de déjà leur faire souligner le parcours de ces développements scientifiques depuis le laboratoire et donc l'article scientifique sur lequel ils vont travailler jusqu'à l'évolution et l'implémentation dans le monde industriel et le développement des produits, en l'occurrence par Arkema. Ça fait appel à différentes ressources, différentes connaissances qu'ils vont pouvoir appréhender soit en début du cours, soit dans le cas de l'approche puzzle. Alors, je vous les ai notées ici, mais pareil, je ne rentre pas dans le détail. L'idée, c'est faire appel aux ressources qu'ils ont appris à maîtriser pour appréhender des notions nouvelles. Alors, quelques mots sur l'approche puzzle, parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde ce que c'est. L'idée, c'est de travailler en 2 temps. Dans un premier temps, les élèves travaillent sur un thème particulier. Donc ici, vous voyez, j'ai représenté différents thèmes. Donc, par exemple, l'élasticité élastomérique, les réseaux supramoléculaires, etc. Donc, les étudiants choisissent un thème, travaillent sur ce thème-là à plusieurs, parce que en rouge, en bleu, en noir, etc. Chacun devient expert sur ce thème-là. Et puis ensuite, ils constituent des équipes avec un expert de chaque thème. Et l'objectif, c'est de répondre à un quiz qui, en l'occurrence, a été développé sous Moodle pendant la séance. Alors voilà comment ça s'est déroulé. La semaine avant, le cours est hebdomadaire, la semaine avant cette étude de cas, les étudiants choisissent le thème. Cette année-là, c'était une première pour cette activité. J'avais fait le choix de les laisser choisir leur groupe. On pourra réfléchir sur ce point-là. Mais donc, ils choisissent le thème auquel ils sont plus sensibles. Quoi. Ensuite, les documents, ce sont des documents qui sont mis à disposition sur Moodle. Tout un tas de documents selon le thème qu'ils ont choisi. Ils préparent en autonomie, ils lisent les documents, ils se les approprient. En début de séance de cette étude de cas par approche puzzle, il y a un échange par thème. Donc, tous les élèves qui ont travaillé sur le thème 1 travaillent ensemble. Il y a un temps de questions-réponses où moi j'interviens éventuellement pour répondre à leurs questions.
Ça, c'est à peu près pendant 30 minutes. Et puis après, il y a une heure et demie où ils sont en équipe, donc un thème 1, un thème 2, un thème 3, etc., où ils vont répondre au quiz. Le quiz est lancé sur Moodle et l'objectif, ben, c'est de répondre dans les temps au quiz et bien sûr d'avoir le meilleur score. Et du coup, chaque équipe est un peu en compétition pour répondre au quiz dans le meilleur temps et avec les meilleurs résultats. Et puis ensuite, il y a une séance de restitution. On déroule les questions, les réponses avec un feedback de ma part sur certains points. Et dans la semaine qui suit, j'ai complété le feedback et ils avaient ensuite un questionnaire d'évaluation. Alors, juste en deux mots, ça leur a permis de bien s'impliquer dans cette activité. Ils étaient assez sensibles à cette approche-là. Au vu des résultats aux examens, certaines des notions qui ont été sont passées. Plutôt les pistes d'amélioration et les points faibles, entre guillemets, un problème de gestion du temps. Il faut vraiment se poser la question des documents, d'équilibrer bien tous les documents sur les thèmes pour qu'il n'y ait pas des documents pour certains thèmes plus complexes, pour certains thèmes plus trop simples. Un gros travail encore à faire sur l'ergonomie du quiz sous Moodle, notamment sur les résultats attribués aux questions. Ça va un peu aussi avec la gestion du temps, de pouvoir faire un feedback plutôt en séance, plutôt qu'après, parce que forcément, tant qu'ils ont l'enseignant sous la main, c'est quand même toujours plus simple. Et le gros point aussi, c'est que ça marche bien si tous les étudiants sont là. S'il y a des absences ce jour-là, il y a des équipes qui sont déséquilibrées. Donc il faudrait pouvoir penser à des solutions qui permettent de bien équilibrer les équipes. Voilà. Merci pour votre attention. Désolée pour les questions.